Good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. History judges us by what we accomplish, what we get done for people, for Canada. This morning, we had a moment of silence in Cabinet for Alan J. MacEachin, one of the very finest ministers ever to serve this country. I'm not going to list his many, many accomplishments, but I do want to reflect on one. Universal public Medicare is maybe our proudest achievement as a country. It was the dream of many of us for many years. It was the work of many more. But in 1966, when Prime Minister Pearson needed someone to actually make it happen, to design the legislation to make it happen and to get it through a minority parliament, he turned to Alan Jay. For that and for so many other things, Canada is a better country because he was in it and he served it. May he rest in peace. Je ne veux pas prendre trop de temps aujourd'hui parce que j'ai hâte de répondre à vos questions. Et c'est ma première visite à Terre-Neuve et Labrador depuis la démission de notre ancienne collègue du cabinet et mon amie Judy Foote. Je suis heureux qu'on se réunisse ici dans cet endroit que Judy aime tant pour poursuivre le travail qu'on a commencé ensemble et remercier Judy pour son travail pendant de longues années de service auprès de Terre-Neuve et Labrador, mais aussi auprès de tous les Canadiens. Il y a quelques jours à peine, tout notre caucus s'est réuni à Kelowna et les discussions que nous avons tenues hier et aujourd'hui donnaient suite aux conversations que nous avons eues là-bas. Nos discussions ont porté sur trois sujets en particulier. First, we talked about the state of the Canadian economy. GDP growth is strong. We've seen the strongest growth in 15 years, the best in the G7. Job creation is strong too. We just recorded the longest job creating streak since before the financial crisis 9 years ago. All positive signs. But as I reminded my cabinet colleagues, we didn't go door to door during the campaign promising to deliver more positive macroeconomic indicators. Instead, we listened to what Canadians had to say. Ils nous ont dit que le pays qu'ils souhaitaient bâtir pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, est un pays où chaque Canadien a une chance réelle et égale de réussir. C'est pourquoi nous travaillons à bâtir une économie qui profite à tous. Et pourquoi nous continuerons d'aller dans cette direction. Deuxièmement, nous avons parlé de l'importance de la relation entre le Canada et les États-Unis, et tout le monde a été mis au fait des derniers développements concernant la renégociation de l'ALENA qui a lieu actuellement. We have, with the renegotiation of NAFTA, what Minister Freeland has described as an opportunity to make what is already a good agreement even better. We're pushing hard for an agreement that is more progressive because a better trade deal is one that improves worker safety and security, protects the environment, addresses climate change, respects gender equality, and the rights of Indigenous peoples. We're pushing for those things because we know that progressive trade and job growth go hand in hand. Troisièmement, nous avons consacré une bonne partie des derniers jours à discuter de notre programme pour l'automne et à nous préparer au travail qui nous attend. Il y a un an, j'ai dit au cabinet que nous avions plus de travail devant nous que derrière nous, et c'est toujours le cas. Mais cela ne diminue en rien nos réalisations. Ça veut simplement dire que lorsqu'on écoute les Canadiens, lorsque l'on porte attention aux choses qui sont les plus importantes pour eux, la liste des choses à faire devient très ambitieuse. Il est donc important qu'avec les membres du cabinet, nous puissions établir ensemble nos priorités. Et enfin, l'incroyable province de Terre-Neuve et Labrador était, bien entendu, toujours en toile de fond de nos discussions. It was here 16 years ago, as we celebrated the other night with Come From Away, that when the world was in shock,
uncertain of what to do next, the people of Newfoundland and Labrador opened their doors to take in thousands of displaced travelers from across the globe. It spoke of a kindness and a quiet decency. Although if you've ever been to a Newfoundland kitchen party, you know that quiet is not always the case. It spoke of a generosity that exists here that every single Canadian can and should be proud of. Being here was a good reminder for all of us to hope for the best and plan for the worst, to help if we can and get out of the way if we can't, and to never lose sight of the things that matter most.